Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So, in case it's your first time here, my name is Dani, and I make videos about everything I like and everything I like, please, mainly about makeup, hair, and mental health, mostly. Today's video is a hair video, and it has been inspired by some little princesses on Instagram that asked me about how to do their hair because they want to take care of it but they don't really know what to do. So the video of today is really about the principle of taking care of your hair. The quality of the video is still going to be shit, but what is important is about how I explain to you how to do it, and I will make sure that later on I emphasize on the quality of the video, but right now I can't. I really can't. I will link my different social links down in the description box, and I hope you will enjoy the video. So if you really are interested, may you be a man or a woman, a little girl or a little boy, and you want to take care of your hair, then keep on watching. Welcome into my kitchen. Aujourd'hui on fait un masque hyper simple, riche en vitamines, en acides gras essentiels, qui va stimuler, nourrir les follicules pileux et assurer brillance, douceur à mes cheveux. Alors, c'est un masque, tout ce qu'il y a de plus simple, du miel, de l'huile d'olive, de l'avocat, de jus de citron et de la mayonnaise. Voilà. Donc, on va passer tout ça au moulinette plongeant pour en faire une bonne pâte bien onctueuse. Tout simplement, pourquoi ? Pour en faire une crème. Parce que c'est la consistance que mes cheveux aiment. Et ce qui est très important aussi, c'est de toujours, toujours passer au tamis pour éliminer les débris, les fibres de l'avocat, par exemple, la pulpe du citron, parce que j'en ai mis au départ. Et on tamise tout ça. Donc si vous n'avez pas de moulinette plongeant, vous n'avez pas de mixeur, vous n'avez rien du tout d'électrique, de mécanique pour mélanger tout ça à votre place, tout ce que vous pouvez faire, c'est directement passer ça dans le tamis. On se retrouve dans mes toilettes. Moi, je porte mon bonnet qui cache tous les problèmes. Donc, on va retirer ça. On enlève le lacet qui me sert à faire mes eye puffs. Et on commence avec la première étape de mon wash day, qui est le démêlage et le pré-coup, dont l'avant-shampoing. On va utiliser un vaporisateur, de l'eau et une cuillère à café ou de soupe du vinaigre de cidre dans cette eau, tout simplement pour détoxifier le cuir chevelu, pour assainir le cuir chevelu, pour dégraisser, parce que ça a des propriétés antiseptiques surtout, et que ça permet de dégager un petit peu les pellicules parce que j'ai un cuir chevelu gras. Donc ça va faire dans un premier temps dégraisser. Je portais des twists que j'ai hâtés et j'ai fait une ou deux semaines avec. Donc, total, ma coiffure a dû faire 3 semaines par là. Donc cette première étape me permet de faire quoi? De démêler grossièrement mes cheveux, de retirer les cheveux qui sont tombés pendant tout ce laps de temps, donc depuis mon dernier wash day. Très important de prendre son temps pendant cette étape, tout simplement pour maximiser le premier démêlage au doigt. Je reviendrai plus tard avec une tinguette teaser pour terminer. Donc très important de défaire les nœuds, les plus gros nœuds, de retirer les cheveux qui sont tombés, parce que c'est cet emmêlement que ça va causer qui sera à l'origine de la casse. Pas de la chute. La chute concerne le cuir chevelu alors que la casse concerne les pointes et les longueurs. Donc quand j'ai fini de démêler tout ça, je vais appliquer mon huile, je masse bien le cuir chevelu, j'applique sur les longueurs et surtout sur les pointes parce que c'est les plus vieilles. Et on va faire une vanille pour sécuriser. Mon pré-poupe pose 10 à 15 minutes, plastique sous bonnet.
Ensuite, je reviens pour mon shampoing. Je vais légèrement humidifier mes cheveux sur tout le cuir chevelu et je vais appliquer mon shampoing sur le cuir chevelu. Au moment de rincer, ce que je fais tout simplement, c'est de mettre un peu d'eau et de masser le savon qui descend surtout sur toute la longueur de mes cheveux. Et c'est ainsi donc qu'on va rincer, toujours en massant délicatement avec la pulpe des doigts. Ah, et c'est très important d'avoir les ongles limés pour qu'il n'y ait pas de fendillement dans les ongles qui seraient à l'origine de la casse abrupte des cheveux aussi. Donc après ça, je vais essorer grossièrement mes cheveux, pas très très sec, mais juste un petit peu. Et je vais passer à l'après-shampoing et au masque. On a étape 3. Bienvenue. Donc ce qu'on fait en fait, c'est prendre normalement un peu d'après-shampoing dans le creux de la main, le masser pour réchauffer un peu la matière et la rendre un peu fluide et d'essayer d'appliquer sur mes cheveux. Parce que j'ai fait ça et curieusement, cet après-shampoing me semblait pas faire grand chose sur mes cheveux. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai mélangé à mon masque pour ne pas, pour justifier mon argent dépensé. Donc je ne le rachète plus cet après-shampoing. Je vais devoir en trouver un autre. Donc je mets mon masque d'abord sur le cuir chevelu, je vais masser délicatement, puis sur les longueurs et bien sûr je vais insister au niveau des pointes. Et c'est à ce moment que je termine mon démêlage avec ma tangle teaser. Je vais essayer de mettre en bas d'un trou l'endroit où j'ai pu avoir mes produits. Donc c'est un mélange un peu de ce que je trouvais à Douala, à Yaoundé ou à Abidjan. Donc on va voir. Je vais essayer de préciser tout ça dans la barre d'infos. Donc il faut regarder la barre d'infos. Prenez votre temps, démêlez bien vos cheveux parce que c'est cette étape qui est la clé. C'est cette étape qui est l'essence même de la partie sans douleur de la coiffure. C'est cette étape même qui est la partie no casse après pendant la coiffure. Donc prenez bien votre temps, démêlez. Montrer de l'amour à vos cheveux, c'est très important. Très important. Et bien sûr, dès qu'on a fini ça, on revanille. On refait une tresse pour sécuriser, pour dire on est déjà passé par là. Pour pas que tout ça se s'en mêle. Et bien sûr, on va répéter l'opération sur toute la tête. Bien entendu. Bien sûr. Comme tout masque, il va poser sous un plastique et bien sûr sous mon fidèle bonnet que je vais remettre. Normalement, je peux poser 20 à 30 minutes, mais c'est net au moment, après mes 20 minutes, quand j'ai voulu rincer mes cheveux, je me suis rendu compte qu'on a coupé l'eau, donc mon masque a posé beaucoup plus longtemps. Après ça, je passe à hydratation et coiffure. Voilà. Et après, ça va donner le résultat de la fin de la vidéo. One more important thing is, s'il vous plaît, ces vidéos cheveux sont hyper longues à filmer et à monter. Donc, prenez la peine de les regarder en entier. Ensuite, de poser vos questions en commentaire. Aussi mes autres réseaux sociaux. Je tiens encore à préciser que prendre soin de ses cheveux, de son corps, n'est pas l'apanage de ceux ou celles qui ont les cheveux crépus ou de ceux ou celles qui ont les cheveux défrisés. C'est pour tout le monde. Je peux le dire de source sûre car je suis contente d'avoir été celle, par exemple, qui a initié mes petites sœurs, qu'elles aient les cheveux défrisés ou crépus, parce que chez nous il y a les deux types de cheveux et ça marche super bien. Je pense que jusqu'aujourd'hui aucune d'elles n'a lâché l'affaire. Ça doit bientôt faire 2 ans que je les ai initiées. Donc prenez la peine et regardez ces vidéos, sérieux. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.